Salut à tous, c'est Indaday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu House Builder. Donc dans l'épisode 1, on avait construit un igloo en Antarctique. Dans l'épisode 2, une maison en argile en pleine Afrique. Et on va voir ce que nous réserve l'épisode 3. Alors ça a déjà été fait, On a un truc à faire là, c'est quoi? Cabane de trappeur. Ok, c'est pas mal, donc je crois que c'est en pleine Russie, hein, si je me trompe pas. Ou alors on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Maison en pan de bois. Alors ça c'est assez classique, j'ai pas tellement envie, c'est en France certes, mais je préfère faire une cabane de trappeur, je trouve que ça nous sort un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Allons-y, je crois même qu'on est payé. Ah, il faut qu'on achète. Bah ouais, vas-y, bah cabane de trappeur, du coup on va acheter, alors on va voir ce que ça donne. Il faut qu'on paye pour aller faire un chantier, c'est fort. Alors nous voilà maintenant sur place. Curiosité, malheureusement vous ne pouvez compter que sur vous-même ici. Il n'y a pas de magasin, ni de civilisation. Vous avez réussi à amener les outils sur le pick-up, mais vous devez organiser le reste pour construire vous-même cette maison. Prenez soin de vous et faites attention aux ours. Bonne chance. Ok, bah ça s'annonce très très mal cette histoire-là. Hein. J'ai un peu l'impression que ça s'annonce très très mal. Mais il faut qu'on ramasse toutes les bûches. Donc allons-y, hein, y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. On ramasse tout. Ok. Alors, nous commençons la construction de la maison de trappeur par les fondations. Ce sont des poutres bien ancrées dans le sol les unes par rapport aux autres. Vous pouvez obtenir les poutres en coupant des arbres en proximité. N'oubliez pas qu'après avoir coupé le tronc, vous devez couper avec la tronçonneuse jusqu'à la longueur appropriée. Et aussi écorcer chaque poutre avec un outil. Ouais, donc en gros, on n'est pas prêt d'avoir fini. On va pas se mentir, on n'est pas prêt d'avoir fini. J'ai pu ramasser un petit peu, mais j'ai pas l'impression que ça va suffire, hein, pour être tout à fait honnête. On reste plus que 3. Pourquoi je peux plus les mettre? Alors on appuie sur P, alors fais-moi voir. Le sens s'en fout un peu. Ok, bon, bah je vois le délire. Hein. J'ai envie de partir du principe où on doit d'abord écorcer les grumes. D'accord, mais alors comment je vais faire pour écorcer les grumes? Je pense qu'il faudrait un... Ouh, il y a un petit renard, regardez, c'est mignon comme tout, il y a un renard. Il y a plein d'objets, c'est cool. Ouais, il y a plein de trucs à ramasser, mais alors... la grande question, c'est comment écorcer? Comment ça marche? Comme ça, peut-être? Je l'écorce ou je le coupe? Je crois que je le coupe, là, hein. Ok, ça va pas être le bon outil. C'est pas grave. J'ai une scie là, ça va pas m'aider ça. Ouais, je vais ramasser les objets. Je dois certainement le poser quelque part. Peut-être là. Et là, j'imagine. Ok, et ça c'est quoi? On peut ramasser et le poser par là, d'accord. Ok, donc ça c'est plus de... Ok, je vois le délire. On peut allumer les lumières, je vais allumer les lumières comme histoire qu'on soit bien. Du coup, la grosse question... Ah, j'ai une tronçonneuse également. Ok, ça part... Bah attends, je vais couper ça. Bah hop, on y va. Hein. Ouh, voilà, allez. Attention. Bon, par contre, il faut quelle hauteur. C'est la grosse question que je me pose. Que là, je fais le malin, je fais des trucs au hasard. J'en ai aucune idée, mais... D'accord, ok, ouais, bah attends, d'abord, faut qu'on se renseigne. Non, parce que là, je suis un peu largué. Alors, arbre de compétences, je sais. Vous pouvez dormir pour éviter la nuit. Utilisation des tronçonneuses. Utiliser la scie pour les planches, d'accord. D'accord, mais alors attends, parce que là ça devient un peu compliqué. Il n'y en a pas par terre, je pourrais ramasser par hasard des trucs préfaits, vous voyez. Un truc comme ça, non. Ouh. Ça permet de faire des planches, d'accord, je vois le délire. Là on a un petit renard qui est tout mignon. Mais alors je sais pas du tout avec quoi je vais pouvoir écorcer en fait. Ils ont dit écorcer avec un outil. Alors vous êtes bien sympa les gars, mais comment on écorce? Attends, il faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça, sérieusement? Et ça écorce, d'accord, ok. Faut secouer, d'accord, j'ai compris, c'est bon. Je sais comment on va écorcer. Voilà, là c'est pareil, on écorce, allez hop là. Ok, bah j'ai compris, c'est bon. Y'a plus de soucis. Voilà, là on est bon. Ok, bon bah je vais pouvoir ramasser tout, mais bon, c'est facile finalement là. Allez hop là, nous on est bon. Par contre, comment on fait pour savoir la hauteur? C'est la grosse question. Bon, on verra bien, hein, pas tout hein. Savoir c'est quoi ça? C'était déjà prêt? Bah écoute, tant mieux, si c'était déjà prêt, y'a pas de raison. Trop court. Oh, trop court, ouais, trop court. Un poil trop court, d'accord. Bon, bah je devais couper un petit peu alors. Hein. On va lâcher ça, je vais prendre la scie. Ah, c'est pas mal ici, là. Voilà. Non, ça sert à rien, la scie, là, je crois. Hein. Plutôt à tronçonneux, je pense, voilà. Je pense que là, on est... Voilà, allez, hop, là. On y va comme des brutasses. On est des grosses brutasses, mais... Voilà, et là normalement je peux prendre l'objet et le poser. Celui que c'est trop court là, c'est qu'il y a un souci quelque... Oula, il s'est passé où, c'est passé quoi? D'accord, c'est normal je crois. Alors utilisation de la tronçonneuse. Ouais, pas de problème, j'ai la maîtrise hein. J'ai la maîtrise frérot, y a pas de souci hein.
Donc ça, c'est trop court. On est bien d'accord, c'est trop court. Alors, vous préparez également les poutres suivantes de la même manière. Vous coupez les arbres, d'accord. Ok, je vois. Par contre, il faut qu'on certainement qu'on prenne la mesure. Alors, on part de là. Il nous faudrait au moins... Allez, 3m45. 3m45. Ok, toi, tu fais combien? Oh oui, large, large, large. Bah, 3m45, on va prendre un 4m. Voilà, 4m ici. Bam. Donc là, on va prendre ensuite notre petite tronçonneuse. Et puis, boum. Et ben voilà, que voulez-vous, moi? J'aime la nature, je suis là, c'est uniquement pour voilà, pour vivre une aventure humaine, à la fois humaine et... Oh, je me suis trompé, je me suis planté, merde. Attends, ça la fait un peu mal cette histoire-là. Attends, on va reprendre un mètre. C'est là, il fallait 3m38, ouais, il fallait 3m50, quoi. Et là, j'imagine que c'est beaucoup trop court, ouais, je fais même pas un... Ouais, allez, 2 mètres. Bon, bah, c'est pas grave, on a plein d'arbres à disposition, autant y aller, hein. Hop là, boum. Attention. Ok, ça tombe, c'est pas mal, ça tombe, c'est pas mal, ça nous met bien. Alors, je vais prendre là, hein. C'était combien qu'il fallait, 3 mètres? Ah, je sais plus, attends, je vais prendre la mesure, j'ai pas de mémoire en plus. Là, il faudrait qu'on ait 3m20, ouais, on va prendre 3m40, je pense, 3m30. Voilà, 3m40, c'est pas mal, 3m40, voilà, bam. Tronçonneuse. Voilà, y'a plus qu'à, et ici, ouais, bah tu sais quoi, déjà on va écorcer. Je suis un vrai expert, moi, d'écorçage, hein, les gars. Vous déconnez, là, mais c'est... Hop, là. Alors, là, ça la ramène moi, là. Hein. Ça la ramène moi, là. Ok, là, on est encore à... 3m40, c'était là qu'il fallait 3m40. J'en ai marre, je suis arrivé. Ouais, un sanglier, carrément. Bon, 3m40. Ouais, tu sais quoi, je vais pas m'embêter, hein. Hop, là, on va... Hop, écorcer tout ça. Voilà. Hop, là. Et on va la mettre ici. Et ben voilà, bingo. Là, on est sur quelque chose de pas mal, hein. Par contre, j'ai intérêt à couper. Je pense qu'en vrai, je vais pas m'embêter. Je vais prendre des grands arbres. Je vais les couper en deux. Ça sera parfait. Je vais couper au plus bas possible de la racine. Voilà. Hop là. On va pas trop s'embêter. Et je vais couper genre en deux là. Ça sera pas mal, je pense. Voilà. Ensuite, j'écorce. Oh, j'ai pas du tout coupé en deux, je crois. Bon, on va voir. J'écorce à droite à gauche. Voilà. Là, je récupère ça et ça. Ok. Est-ce que je peux en mettre à droite à gauche? Par exemple, là. Trop court. Trop court, bah ben voilà, parfait, voilà, faut pas s'embêter en fait, faut... Ils disent de prendre des mesures, mais c'est des gosses, hein, c'est des gamins, hein. T'as pas besoin de prendre de mesures finalement. Il suffit simplement d'avoir le coupard dans l'œil. Bon, là, c'est clair que ça passera pas, mais j'ai tenté dans le doute, hein, ça aura mal entendu. Ok, on y va. Ça me fait penser à une série sur Netflix qui s'appelle Couper du bois, non, Envoyer du bois, pardon. La série, elle est incroyablement... Genre, c'est un bon requin de base, tu vois, c'est un bon gros requin de base, il a sa série. Et il est toujours en mode, là il parle toujours un peu comme ça parce que ça reste un américain dans une émission française. Et là, les doublages sont toujours d'excellente qualité. Et ça me fume déjà. Et j'ai regardé toute la série, j'étais passionné, hein. Est-ce qu'elle allait réussir à livrer le bois à temps? Est-ce qu'elle a réussi à concurrencer d'autres grosses séries? J'étais comme un ouf, hein. Ma copine disait, mais Antoine, mais arrête, c'est nul. Et mine de rien, elle s'est laissé prendre au jeu au bout d'un moment. Parce que mon préféré s'appelait Cole. Et à un moment donné, il a un peu merdé, il a envoyé chier le patron et c'était parti en freestyle et on se demandait si elle finirait au chômage ou pas et c'était... Ah, c'était incroyable. Incroyable comme série. Sincèrement, je vous la conseille. Hein. Si vous avez Netflix, que vous aimez bien le délire un peu du bois et tout, et surtout des bons gros hommes américains qui, quoi qu'il se passe, ils prendront tous les riches du monde pour faire tourner leur série, vous allez kiffer. Moi, perso, j'ai adoré. On va pas se mentir, perso, j'ai kiffé. Ok, là, on est bon. Je vais couper ouais, à peu près le milieu, c'est par là. Allez, hop, là, boum. On écorce la totalité. Et on se met bien. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bam, bam. Ok. Alors, on y est. Et là, on y est. Et ben voilà, il ne reste plus qu'un petit morceau. On est bon. Non, mais ça se sera fait d'une vitesse phénoménale. Hein. La cabane de trappeur, moi, j'ai confiance en moi. Je pense qu'elle va être superbe, là, ma cabane. Par contre, c'est vraiment gâcher le moins de bois possible. Enfin, gâcher, façon de parler, parce que je fais quand même des trucs à peu près à la louche. Hein. Voilà, allez, c'est pour moi, on écorce là. Hop, et ça on verra ce qu'on va en faire après. On va mettre ça là. Boum. Oula, faut recommencer. Super, vous préparez également les poutres suivantes de la même manière. Vous coupez un arbre, vous écorcez avec un disque spécial. Et puis vous coupez avec de la tronçonneuse à longueur appropriée. Convenons au plan. Ah, j'ai un plan. J'ai un plan. Ah, fallait me le dire qu'il y avait un plan, hein. Moi je fais tout comme ça, hein. Ah, on verra au fur et à mesure, hein. Oh, par contre, j'avais un petit morceau, moi, qui était déjà ouais, là-bas. Je suis sûr que je peux le récupérer. Et le balancer quelque part, par exemple, là. Voilà, il n'y a pas de gâchis, tu vois. Pas de gâchis, tout va bien. Il y avait même un petit morceau, là. Tiens, là, est-ce que je peux pas le mettre ici, par hasard?
trop court, avec beaucoup trop court. Bien ce que je pensais, mais tant pis, hein, ça, tant pis, c'est pas grave. Bon, allez, tronçonneuse, hein, on n'a pas le choix. Hein. Allez, hop, là, on y va, on y retourne. Hein. J'ai une forêt rien que pour moi, donc autant en profiter. Hein. Hop, hop. Ok, donc là, il nous faudrait... on va encore couper en deux, on va faire les gros tronçons d'abord. Voilà. Mais ouais, non, j'avais adoré cette série, hein. Je vous conseille, ça s'appelle Envoyer du bois. Alors, c'est un peu américain, Jackie, hein, on va pas se mentir, c'est un peu... On est des travailleurs et peu importe ce qui se passe, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, nous on ira travailler. J'ai une jambe en moi, c'est pas grave, j'en ai une deuxième. C'est un peu ça, on va pas se mentir. Mais c'est marrant, moi j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Ok, là on est bon. Toi on va couper. Hein. Hop là, boum. Je peux couper au milieu. C'est pas très RP mais c'est pas grave, on va considérer que là c'est à peu près au milieu. On va tout écorcer. Y'a pas moyen que j'écorce plus vite là. Parce qu'ils sont bien sympas mais ça devient long. Hein. Hop hop, les gros morceaux ici, peut-être. Et ici. Trop court, sérieux, trop court. Là, trop court aussi. Ok, là, par contre, ça peut passer, non? Voilà, ça passe. Donc là, il faudrait quasiment un arbre complet, en fait. Hein. Je vais me taper un arbre et puis ça va être réglé. Casse-toi, Dunfield. Pardon, excusez-moi. En plus, j'adore Dunfield. Mais bon, c'est juste sa petite rêve qui m'amusait. Ah, écorçage plus rapide. Et ben voilà, il n'y a pas de problème. On va activer maintenant. Parce que écorçage plus rapide, moi, j'aime bien. Hop, ah bah oui, c'est net... oui, c'est nettement plus rapide. Oui, on va pas se mentir. Un arbre complet, on va le foutre ici, l'arbre. Hop là, voilà, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Hop là. Là, on est bon. Hop, l'écorçage rapide. Non, là, corsage rapide. Oh, attention de pas mourir. Je pense pas qu'on puisse mourir, mais dans le doute. Et si on coupait, j'en sais rien, j'ai une bêtise, mais par exemple, ici, là. Voilà, c'est pas mal, ça suffira pour toutes les pièces trop court, ok. Trop court, sérieux. Non... Trop court de partout. Peut-être là, ouais, là ça peut passer forcément. D'ailleurs, ouais, faudrait peut-être rallonger un peu. Faites un effort, les gars. Et là, trop court aussi. J'imagine, ils vont me dire que c'est trop court ici, forcément. Ouais, bon, on ramasse et on mettra ça plus tard. Hop, on va mettre ça là en attendant. Bon, bah écoutez, il va me falloir un arbre complet là. Hein, un demi-arbre peut-être. Hein. Hop là, on coupe. Hop. Non, 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 ouais, bon, on va juste écorcer, c'est tout. Et là, on va faire un truc genre au milieu peut-être. Voilà. Hop, et si je pars du principe où je te fais un truc comme as. Voilà, et là aussi. Et bah voilà, c'est bon. Congratulations. Ok. Vous préparez également des poutres suivantes de la même manière. Encore, bah, j'ai déjà vu ça les gars. Hein. Donc faut que je recommence à couper des choses comme ça. Ok, bah déjà toi mon pote. Hop là. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi frérot là? Frérot de la Vega, tu vas faire quoi? Bah en vrai, je pense qu'il faudrait qu'on... Ouais, on va faire un arbre par... par truc, hein, on en parle plus. Hein. Pourquoi tu coupes là Ok, et là ça pourrait pas passer. Bah si, ça passe tranquille, regarde, hop. Trop court, et là c'est parfait, bah voilà. Comme ça on perd pas trop de temps. Un autre arbre. Hop, c'est pour moi, c'est cadeau. On en parle plus, je le ramasse avant même qu'il tombe, j'ai le temps de tout faire, moi je suis un malade. Voilà, bah c'est pas mal du tout. Ça, carrément, ça va coûter un arbre entier, mais bon, c'est pas grave. Allez, on envoie du bois, les gars, on envoie du bois. Voilà, ça, je ramasse. Ça, je vais aussi gérer ça, ok. Un truc grand, si possible, genre toi. Voilà. Et toi. Eh ben, parfait. Est-ce que ça pourrait le faire? Est-ce que ce côté-là, ce qui serait un peu plus grand, pourrait passer là? Bah voilà. Bah alors. Là, trop petit, ouais, j'imagine bien. Mais par contre, ça peut toujours servir, on va le mettre ici. Il faudrait juste un autre arbre et puis c'est bon. Je vais essayer de couper des arbres assez loin pour qu'on laisse un peu de végétation. C'est quand même assez incroyable. Ah non, stop doucement. Voilà, on va écorcer tout ça. Je ramasse, oui, mais je ramasse carrément un trou en bas tout seul. Bon, autant vous dire que c'est pas mal, hein. Franchement. On va eu du bois, c'est cool. Perfect. Bien, ouais, je sais, il est assez heureux de. Je sais bien, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ok, là c'est trop court. Là, trop court. Trop court, et là ça devrait être bon. Mais pas que c'est trop court là, sérieux, ouais voilà. Ok, bon bah. Est-ce que toi ça passe? Oui hein. Voilà, ça passe même très très bien, j'ai envie de te dire. Ok les gars, on y va. Bam. Non, j'ai dit bam. Allez hop là, tu te casses, toi. Hop là, tu te casses aussi. Là on va améliorer nos compétences, c'est quoi? Mesure automatique du... Oh, juste avant de couper les rondins, mesure automatiquement une dimension. Alors, si tu savais ce que j'en ai à battre. Si tu savais ce que j'en ai à battre. Ah si, par contre, c'est pratique, ça. Bah, 4 mètres, 4 mètres, je pense qu'on est pas mal. Donc, attendez, d'abord, j'ai oublié de faire un truc. J'aurais dû faire autrement, mais tant pis.
Ok, on va tout poser là. Voilà. Hop, hop, oui, ça par contre, j'avoue que c'est pratique. Eh ben, on avance, hein, on continue. Voilà. Trop court. Ah non. Attends, sérieusement, ça fait combien de mètres aussi, ça Trop court. Attends, c'est combien de mètres? Parce que là, ça me saoule un peu, là. On est à... Ah oui! Ah oui! 7 mètres, quasiment. Ok. Est-ce que l'arbre, il fait 7 mètres, déjà? Parce que moi, j'ai bien être gentil, mais... ouais, il fait 3 mètres et quelques. C'est mort, déjà. Bon, on va couper celui-là, qui est assez grand. Ouais, je vais le prendre vraiment à la racine. Ils ont 17 mètres. Bah voilà, 7 mètres là, ça me donne un truc comme ça. Par contre, c'est tout petit. Hein. On va plutôt couper à les 7 mètres 40. Donc on est tranquille. Voilà, je veux le saloperie d'humain qui nettoie rien derrière. Toujours, sinon c'est pas drôle. Hop là, allez, banga banga. Ok, là ça donne quoi? Ouh, j'aurais pu ramasser ce petit morceau là. Tiens, toi, tu pourrais largement tenir, je pense, non? Voilà, là trop court, j'imagine. Ouais, mais ça nous a évité de bosser sur une autre pièce de bois. Bon bah ça après je vais bien faire le maximum les gars, mais bon, vous abusez un peu après. Toi. À la racine de la racine, on peut pas faire mieux là. Hop là boum. Alors on va fermer ça. Ah ouais 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 ouais. On va considérer que... Donc on sait que c'est ok, 4 mètres, 4 mètres, je connais pas et tous les dimensions, faut faire quoi là? Là il en faudrait un de... De 6 mètres quasiment, 6 mètres. Ouais, 6 mètres, ok, bah on va couper. Ouais, toi t'es... Ouais, c'est mort toi déjà. Ok, bon, celui que j'ai coupé était où là? Là-bas je crois, ouais, 6 mètres hein, on avait dit. Ouais, là on est bon. Là l'autre va servir à rien, mais tant pis, écoute hein. Hop là, c'était pas là hein, c'était juste ici. J'espère par contre qu'on va pas faire tous les étages les uns après les autres, sinon ça va être relativement long. On va pas se mentir, ça va être très très long. J'ai l'impression qu'on est bien parti pour. Hein. Oh, nouveau skill. Alors, dis-moi tout. Outil de mesure laser. Cela permettra de mesurer automatiquement les éléments en bois à partir des plans. Ouh. Ok. Ok, bah, on va voir. Donc là, normalement, ça devrait me dire directement, du coup. La taille, d'accord. Bah, je vois pas trop, là, par contre. Hein. On va voir. Hein. Encore un nouveau skill. Écorçage plus rapide, bah ça va déjà relativement vite en vrai. Hein. Bon bah on y retourne, hein. Allez, hop, on coupe, hein. On coupe du bois. Là on est bon. Ah ça écorce direct, ah, ça par contre c'est pratique. Ah, bah là j'ai rien dit du coup. Ah bah oui là c'est beaucoup plus rapide, bah oui allons-y. Allons-y les amis, allons-y let's go. Ok bah c'est ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais couper la masse de bois, hein. Je vais pas chercher. Hop là, on n'en parle plus. Hop là, moi je suis hop, je suis en bois. On y va. Non, 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 reviens, 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 mon pote, reviens. Hop, ça s'est coupé aussi. Ça s'est coupé. Hop, je ramasse tout ça et on y va. Voilà, ça nous fait déjà 4 arbres. Par contre, ça m'embête du gâcher de beau temps de bois, mais tant pis. C'est ce qu'il disait dans le fameux envoyé du bois. Vous savez, la nature, il faut la respecter parce que sinon, elle ne vous respectera pas. D'accord, Jean-Daniel. D'accord, Jean-Christophe. Je suis d'accord, faut respecter la nature, par contre, je suis d'accord, mais bon. Vous pouvez confondre la longueur de bois assemblée, hein, d'accord, ok, on va dire que c'est ok. Ok, bah on va couper là. Oh là, ça va être chaud là. Trop court, bien ce que je pensais. Par contre, ici ça passe tranquille même. Et là, on va même mettre ça là, tiens, hop, comme ça on gagne de la place. Voilà. Hop, et toi alors ça donne quoi? Bah, toi, on va mettre ça. Possiblement là. Ok, bah je vais retourner couper, hein, j'ai pas le choix, qu'est-ce que je te dise, hein, faut que je retourne couper du bois. Oh, un autre morceau, ça passe. Et toi, ainsi que toi, trop court. Trop court, sérieux? Trop court. Ok, bon bah on va lâcher ça. Si, bah, par contre là, t'as moyen, me dis pas le contraire, t'as moyen mec, regarde. Hop. Ouais, c'est même plus que bien, j'ai envie de te dire. Et ce morceau-là pourrait même resservir à l'étage, voilà, au-dessus. Et toi, tu viens là? Et bah voilà, on a quelque chose de cool. Par contre, ça commence à être très très joli, hein, pour être honnête. Hein. Petit screen. Ah, ça commence à être très très joli. Ok, bah tu sais quoi, on va même pouvoir continuer un peu. Hop, toi tu viens là. Et tu viens là. Voilà, et on est bon. Allez, attends, on va retourner couper du bois. Voilà. Et c'est genre une entreprise familiale où tout le monde bossait dedans.
Enfin, c'était incroyable, avec que des rivalités entre frères et tout, c'était n'importe quoi cette série. Je vous encourage trop à la regarder, elle est folle. J'essaie de faire apparaître un petit si j'oublie pas dans le montage, faudrait vraiment que j'essaie de faire apparaître au moins la tête qu'elle a la série, l'imagette qui est proposée par Spotify, par Netflix, pardon. Ah, là on est bon, là on est bon. Et là on est bon aussi, voilà, bah écoute, y'a plus qu'à. Par contre bientôt je pourrais plus faire ça. Hein. Et vous êtes bien sympa vous les gars, mais concrètement. Ok, ça c'est fait, ça c'est jouable. Faut que je retourne couper du bois. J'ai vraiment l'impression d'être un saloperie de bûcheron. Mais attention, j'ai rien contre les bûcherons, hein. J'adore les bûcherons, mais il n'y a aucun problème avec eux. Hein. Hop là. Alors, double le nombre de rondins. Ah oui, ça par contre, ça va être tellement pratique. Oh, ça va être tellement pratique ça. Il m'aurait fallu depuis le début en fait. C'est un peu tard là pour me le donner, mais bon. Allez, on va constater qu'on est beau joueur. Ok, regardez, on est déjà en train de tout déforester avec notre tronçonneuse. On est les pires. Hop là, boum boum. Y'a plus qu'à. Eh bah, deux par deux, ça va nettement plus vite. Hein. Ça va nettement plus vite. Ok. Ah là, y'a que des petits trucs, ça m'embête. Sauf toi, Emmett. Toi, bah, Emmett, tu vas couper. Hein. Ouais, voilà, ça va servir pour le reste. Voilà, hein, je vais récupérer ça, et puis ça, et toi tu viens là, voilà c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout même cette histoire, et toi tu viens là, et bah parfait, parfait, on commence à avoir des choses bien là, hein. Trop court ça j'imagine, non? Ah non ça passe, on commence à avoir plein de petites choses, là ça va être beaucoup trop, oui beaucoup trop long, on va pas se mentir, et là, trop court, et ok bien ce que je pensais. Et toi, par contre, toi, on peut te mettre ici, voilà, j'allais te le dire. On va pas se priver. Ok, on y va, les copains. On y va. Hop là. Hop là, 4x4 maintenant. Bon, les troncs, j'ai récupéré 4x4, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Voilà, on y est. Alors, il y a celui-ci, ok. Celui-là est trop petit, celui-ci un peu plus grand. Celui-là, ouais, on va le mettre ici. Parfait, parfait, parfait. Bah non, on va continuer. Hein. Oui, il me reste encore du... Il me reste encore... Oui, j'avais oublié, j'en ai 4x4. Ah ouais, bah là, celui-là peut-être. Et bah j'ai plus le choix, il me reste plus que des petits. Bah celui-là, rien. Voilà, j'ai plus trop le choix. Tu coupes un morceau. Allez, tombez par-dessus. Le bois, c'est de l'or. C'est de l'or en barre. C'est ce qu'il disait tout le temps dans la série. Alors je vais vous dire un truc. J'ai tellement adoré la série. J'ai envie de gérer ma propre série. Dans un jeu vidéo, bien sûr, hein, qu'on s'entende bien dans un jeu vidéo. Mais quand même, c'est fort quand même, pour que ça donne envie, c'est vraiment que c'était bon, quoi. Ok, là on est bon. Je vais poser tout ça. Alors on va faire un gros tas. Je vais tout couper comme un malade, hein. On a plus le choix. Hop, on va tout mettre ici. Tronçonneuse. Ok, tronçonneuse encore. Voilà. Elle est tronçonneuse, hein. On s'arrête pas, hein. Voilà, hop, je récupère. Tout ça, je récupère. Oui, je peux emporter plein des troncs, y'a pas de problème, hein. Tout va bien là-dessus. J'ai aucun souci. Mon organisme, j'ai 10 troncs sur moi qui mesurent, enfin qui pèsent au moins, je sais pas, 3 tonnes. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. J'ai la maîtrise, hein. Vous voyez, j'ai l'habitude. Hop. Si possible, plus grand morceau, parce que les petits, on peut toujours se débrouiller après, c'est pas grave. Hein. Je crois que j'ai plus le choix. Ah, je vais pas balancer un tronc pour ça, quoi. Tant pis, hein, on va ramasser petits morceaux, puis on va faire avec, on a plus le choix. Hein. Ouais, regardez ça, c'est pas normal, c'est du gâchis de bois, ça. C'est une honte. Hop. Hop. On coupe tout ça, nous. Hop. Hop. Hop là, voilà, ça va relativement vite. Hein. Ça va relativement vite. Ok, tout ça, je vais pouvoir ramasser. Tout ça, je ramasse. Hop, hop, ça devrait suffire pour tout le monde. Oh ouais, ça c'est pareil, je peux le ramasser aussi. Trop court, ouais, ok, trop court. Bah. Et tout ça là, tout ça, j'en ai chié, tu vois, en vrai. J'en ai beaucoup trop là. Ok, bon, ça, tu te débrouilles avec ça. Tu te débrouilles avec ça. Ok, bah, on est plutôt. Plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Hein. Ça se passe plutôt bien. Trop court, bah, écoute, trop court. Le trop court, on va le mettre ici, comme ça on est tranquille. Voilà. Hop, 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 on est bon. Ça, c'est fait.
Ça c'est fait. Trop court. Et on commence à en avoir de nouveau besoin de grosses longueurs là. Ok, bon, on peut rien faire de plus si un peu là. Trop court, ok. Et là c'est trop court encore. Ok, bon, bah, on a plus qu'à tout lâcher. Ah, ça qui nous reste plus grand chose, hein. Non, on va laisser l'arbre ici. On va laisser l'arbrisseau ici. Par contre, le prochain arbre, je coupe. Je cherche même pas. Hop! On n'en parle plus. Toi. Hop, désolé, sanglier. Bientôt, t'auras plus de forêt. Alors, désolé, mon pote. C'est pour moi, c'est cadeau. Voilà. Je ramasse tout ça. Hop, hop, hop. Hop, voilà. En plus, c'est déjà écorcé. Comme ça, on est tranquille. On n'a plus qu'un. Bon, on va en sacrifier un là. Tant pis, hein, on n'a plus le choix. Un autre ici. Un autre là. Un autre là. Un autre là. Ça commence à prendre vie, hein. Ça commence à prendre, j'ai envie de te dire, sévèrement forme. On va faire les gros morceaux en priorité. Bah, niveau gros morceaux, j'en ai plus des tonnes. Si, ici. Ah non, des petits. Ok, bah. Allez, j'ai pas trop choix. On cale ici. Ok. Par contre, la lumière fait un peu mal aux yeux. Ah, j'en avais déjà plus. Ouais, faut que je ramasse aussi, c'est pour ça. Ok. Encore. Encore. Je compte sur vous, les gars. Hein. Je compte vraiment sur vous. Voilà, là, on est bon. Là, ça va être beaucoup trop court. Pas photo. Par contre, peut-être pas pour là. Voilà, on y est. Ici, trop court, c'est sûr, ouais. Trop court aussi, ici, j'en suis persuadé. Là, il nous faut du gros, il nous faut du lourd, là. Ok, bah, on y retourne. Les sangliers. J'ai un cadeau pour vous. Wouh. Ça, je vais couper avant que ça parte trop en vrille. Alors, on a quoi? Ouais, ok, là, en gros, on peut encore plus se planter en termes de taille. Hein. C'est-à-dire qu'on peut prendre un truc plus petit et ça le fait quand même. Hop là. Hop hop, moi je suis un vrai bûcheron. Et le reste on y va. On y va avec 4, ça suffit. On saute par dessus la voiture. Ouais, nous on est un peu badass, hein. Ok. Ouais, ça c'est trop. Mais attends, par contre j'aimerais bien faire un truc comme ça. Quoi? Attendez que la machine termine son travail. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Pas tout ce que je voulais faire. Mais bah écoute, hein, tant mieux. On va dire que ça fait partie du jeu. Non, mais arrêtez, il est en train de me prendre les deux là. Stop. C'est des malades. Voilà. Là on est bien. Mais arrête, mais calmez la machine. Calmez-la. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Calmez-la. Je sais pas ce qui se passe. Mais calmez-la. Faites un effort. Ouais, bon. Stop, stop, stop la machine là. Arrête, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'en aurai certainement besoin plus tard. Si c'est là, c'est qu'une raison. Mais quand même. Les sangliers. Pas trop vite. Hop, hop. Allez, on y retourne. Ouais, on a un truc sympa ici. On a un truc sympa, et là aussi. Bah parfait. Et là, ça passe. Oui, ça passe, parfait. Est-ce que ça passe aussi par là, non? Maintenant un peu. Ça passera pas, bien sûr, ça passera pas. Là, par contre, ça passe. Voilà. Là, il nous faudrait une grande, ouais. Donc là, il faut des grands, on a plus le choix. J'ai prévu à sanglier que j'arrive pour défoncer leur forêt. Les pauvres. Si des fixes étaient là, ils seraient malades. Ok, là on est bon. Il y a du bois partout, ça part en freestyle. Parfait. Allez, on y retourne. On y retourne, on saute carrément sur la voiture. Hop. Et hop, là, dans les airs, on en met un. Parfait. Ça sacrifie, c'est pas mal. Là, c'est plus petit hein, que ce que j'ai coupé, mais bon. On va dire que c'est ok. Là c'est bon aussi, il me reste encore 4 morceaux. Je vais en mettre un autre là. Un autre ici. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je suis désolé mais ça commence à ressembler à quelque chose. Et ça fait plaisir. Ok. Et on manque encore un. Voilà. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Là par contre ça va être beaucoup trop court hein, j'imagine. Trop court, ouais, ça m'étonne pas. J'ai un peu abusé, je me suis allé, on va tester, hein, mais dans le doute. C'est un malentendu, sait-on jamais, ça peut passer. Là, ça passera pas. Alors, déjà, on va faire un tout bête, c'est déjà toi, je vais t'attendre. Non, oh là là, là, là on va se calmer déjà, je m'en occuperai après parce que là, je suis pas serein avec ma tronçonneuse dans les mains. Hop! Hop! Alors, on va faire un carnage aussi ici. Voilà, en carnage, on coupe, on cherche plus. Ah, tronçonneuse peut-être? 3 fois plus de rondins. Ah ouais, non, ça va être 3 fois plus vite, ça va être énorme.
Oh la vache. Ah oui, ça va vite. C'est un arbre qui se multiplie. Hop, hop, on va tout ramasser. Hein. On n'a plus le choix maintenant, on n'a plus le temps. On ramasse tout. Oh, les rondins sont partis loin. Hein. Hop, hop, hop. Ça me paraît pas trop trop mal. Ah oui, là par là. On y est, on y est, on y est, on y est. Ok. Ça me paraît plus que pas mal. On peut couper des branches. Ah, je m'en fous de couper une branche, moi je m'en fous. Allez hop, on y repart. Où est la maison? La maison était par là, ok, elle est par là. Alors, là on met, hein, on cherche plus. Oh non, c'est tout petit ça, non? Attends, il faudrait, on va faire un truc tout simple. Allez, vous arrêtez. Non, il y a trop de bois, tant pis, je vais tout ramasser, je vais y aller à l'arrache. Hein. Tant pis, on n'a plus le choix, je vais pas tout poser par terre. Saute. Voilà, en plein dans les airs. C'est assez connu comme technique. Ça s'appelle la technique du cheval bourré. Tu fais tout dans les airs, c'est comme ça. Hop. On est à 10 rondins. J'ai pas encore ramassé ce qui... Voilà. Encore, encore, voilà. Hop, nous y a pas de problème, on est beaucoup trop chaud. C'est pas pour rien qu'on est les meilleurs dans le domaine. Et qu'on est seul sur le marché, c'est qu'il y a que nous qui savons faire des... La technique du cheval bourré, c'est-à-dire tu sautes et puis tu dis allez on va voir. Tu sautes et t'attends, tu croises les doigts en espérant que ça marche. Bon en vrai ça serait pas mal qu'on puisse... Ouh là là, il y a tellement de trucs à ramasser. Est-ce que je pourrais avoir si possible... Ouais, toi est-ce que je peux te ramasser? Ah ouais, tant pis, on va tout poser, on a plus le choix, je pose tout. Hein. Hop 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 hop, on pose tout, voilà. Est-ce que je peux te mettre quelque part où tu seras si possible utile? C'est-à-dire qu'à chaque fois, faut que je bouge. Oh, la galère. Ça marche comme ça, en plus, d'accord. Tu peux monter comme ça. Tu mets. Ok, je vois le délire. Bon, bah, let's go. Celle-là, ça devrait suffire. Parfait, il n'y a plus qu'à. Toi, certainement. Trop court. Ok, bah, toi, tu dégages. Allez, allez, dégage. Allez. Ok, on va prendre toi. Ça devrait passer large, normalement. Voilà, il y a encore autre chose? Encore une petite. Toi, c'est même plus, presque du gâchis. Normalement. Voilà, technique du cheval bourré quand même, ça fonctionne. Il me faudra un tout petit morceau, par exemple, toi, ça passe? Je suis pas sûr là par contre mon choix, mais on va espérer. Et ça a l'air de passer, ok. Maintenant, il faut qu'on fasse la même de l'autre côté. Alors, on va récupérer cet escabeau. Il est parti où il est là. Voilà, et on va le caler ici, parce qu'on est des gentlemen. Et que c'est toujours pratique d'avoir des escabeaux comme ça. Voilà, on récupère tout et on y va. Là, trop loin, j'imagine. Ouais, trop loin. Trop loin. Oula, oui, non, mais les gars, faites un effort aussi. C'est beaucoup trop, là. Non, mais coupez pas tout ça. Mais c'est du gâchis, là. Oh non, mais mettez les plus grands rondins en plus pour ça. Sérieux, les gars, faites un effort. Ouais. Ouais, bah écoute. Hein, comme ça. On va dire que c'est ok. Et vous les gars, j'ai besoin de votre aide, hein. Bah oui, y a pas photo. Hein. Ouais, on saute un peu, ça devrait se faire. Voilà, et un dernier, et on est bon. C'est ici que ça fout un peu le zbeul, comme on dit. Voilà. Et bah par contre, on commence à avoir une vraie petite maison, hein. Ça commence à se stylac de ouf. Hein. Ok. Parfait, maintenant il nous faut des planches. Allez, voilà. Alors bien sûr qu'il nous faut des planches. Voilà, fais-toi plaisir mon pote. J'en ai plein des rondins, hein. T'as plus qu'à te faire plaisir. Hop, là, des planches, j'en ai avoir plein aussi, donc allez-y. Hein. Ah, faut aussi faire des découpes et tout. Ah ouais, les gars, vous êtes dans la buse. Vous êtes dans la buse, les gars, là. Eh bah, tu sais quoi. Hop, 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 on met tout ça, hein. On s'embête pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? À 30% plus rapidement, ouais, ça serait pas mal, parce qu'elle est assez lente, hein, en fait, hein. Vous le savez, hein, le bois c'est toute ma vie, le bois c'est de l'argent pur. Bah écoute, t'as pas fini là, hein. Ouais, faut d'abord j'attende, elle est assez longue la machine, hein. Bon, tu peux, s'il te plaît, bouger un peu? Ah ouais, ça, par contre, ça va être long et doux, j'aurais dû faire du bois en même temps. Ah, j'ai pas pensé à ça. Bon bah écoutez, quasiment fini je crois, non? Non, ils vont continuer encore un peu? Ok, encore un skill. Ah oui, deux fois plus de planches, bah bien sûr.
Voilà, normalement là on devrait être bon. Ça devrait enlever tout ça. Et... Attends, 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 on a eu des chutes. Sérieusement, on a eu des chutes. Il s'est passé 20 minutes pour ça. Je comprends plus rien. J'en ai juste marre, c'est pas possible. Allez, tue-toi-en, fais un truc mec. Je vais choper un grand arbre pour amener le maximum de planches. Voilà, en même temps, hop, hop, hop. Mettre ça à côté de la machine, avec un peu de bol, elle va peut-être piger que... Enfin, je vais... Faudra que je remette dedans, mais bon. Ah, on a des petites planchettes quand même, on a des petites planchettes. Alors, allons-y. On va pas aller bien loin avec 3 planchettes par 3 planchettes, hein. Mais quand même. Hop, hop. Ah, encore un skill. Plus rapide. 50% plus, t'as pas bien sûr, c'est toujours bon à prendre, là. Attends, attends, on va tout déposer. Toi, t'y vas. Voilà, comme ça, c'est fait. J'ai mes planchettes. Alors, j'ai des toutes petites planches par contre. Faudrait des. Oh, ça marche quand même. Ça passe quand même. Ouais, normalement, avec tout ça, je devrais pouvoir. On va couper. Et où est ma planche? Où est ma... Ah, mon autre planche, elle est là. Voilà, parfait. Ouais, c'est beaucoup plus rentable de faire ça. Hein. Voilà, laissons-la bosser. Ah non, non, encore, encore, encore. Tu vas continuer à couper, hein, j'ai envie de te dire. Tu vas continuer à couper, tu t'arrêtes pas. Voilà, on récupère tout ça, nous. Nous, on est des vrais bricoleurs. Hop, allons-y. Je sais pas comment on passe à travers les portes sans se tourner, mais ça marche quand même. 3 fois plus de planches, c'est parfait. Ok, les gars, je compte sur vous. On va essayer de ramasser le maximum. Voilà. On repose. Et ben voilà, ça va. À ces vitesses-là, c'est top, hein. Ça va super méga vite, hein. À ces vitesses-là, on a rien à dire, hein. Ah, ça c'est fait. Ça c'est fait. Trop court. Oh, on a peut-être quelques-unes que. Oui, pareil, tu peux aussi les, tu peux les mettre dans le vide. Hein. Là, ça tient tout seul, regarde. Là, je tombe, mais là, ça va. Là, ça va. C'est n'importe. Mais c'est pas grave, on aime bien quand même. Ok, on avance. Alors, dis-moi tout. Hop, 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 hop. On n'a pas de temps à perdre. On avance, on envoie. On envoie du bois. La fameuse série envoie du bois. Je n'ai pas sponsor, hein. Je préfère vous préciser. Le jour où je suis sponsor par Netflix. Ça serait génial, mais bon, pour l'instant on n'y est pas quoi. Alors le rondin, par contre, il dégage. Hein. Ouais, parce que nous on n'est pas. Là, on est dans, plus dans la, on est plus dans le brut. Là, ça y est, maintenant on commence à être dans les finitions et tout. Et c'est important, les petites finitions, c'est méga important. Ça fait tout charme du mobilier. Du mobilier ancien, parce que vous savez, moi j'aime le mobilier ancien. Et dans ma carrière de bûcheron, je sais absolument de quoi je parle. J'invente pas du tout au fur et à mesure. Alors, on peut également préparer des portes de la même manière, couper un autre arbre. Vous décorcez avec un outil spécial et puis vous coupez de la tronçonneuse d'un hangar approprié comme sur le plan. Oh, oh, faut qu'on recommence tout ça, sérieux? Faut qu'on recommence tout ça? Non, ça va être tellement, mais tellement, mais tellement long. Ok, bah on est qu'à 40%. Hein. Oh, dans quoi je me suis engagé? Eh bah, allez, on s'y colle. On s'y viticole. Il y a plus qu'à. On va faire un truc tout bête, hein. Trop court. Et tout est trop court, sérieux? D'accord, ça c'est trop court. Ouais, c'est normal, c'est trop court. Ok, ça je veux bien. Bien l'admettre, on y va. On s'y colle, on y va. Alors. À chaque fois quand je joue à ce jeu, je me reçois dans des trucs. Je peux pas vous mentir, à un moment donné où c'est tellement long que je regrette un peu. Je me dis, ah, mais à la fin, je suis content d'avoir fait quand même. Ok, là on est bon. Hop. Alors bien sûr, une fois j'avais un commentaire, on m'avait dit bah t'es pas prêt de construire une maison si tu trouves ça long, hein. Alors déjà, faut préciser quand même que c'est un jeu. Normalement, c'est censé être fun, d'accord. Alors je dis pas qu'il est pas fun, attention, il est très bien. Hein. Moi, je m'amuse beaucoup, y'a pas de soucis. Mais c'est pas pareil, on est d'accord. On est pas, c'est pas pareil, on est bien d'accord. Trop court. Et toi peut-être par là. Là tu peux, ouais, je m'en doutais un peu, tu pouvais. Ok. Trop court. Bon bah on sort, ça c'est trop court. Ok, bah on y retourne. Nouvel arbre. Pop. Ça va, c'est qu'on a 3 par 3, donc ça va relativement vite. Et heureusement d'ailleurs. Allez, ah oui c'est une fenêtre, c'est pas une porte, j'avais oublié. Pardon, ton pour moi, ma maison est tellement grande que je... Parfois ça m'arrive d'oublier. Ok, là on est bon. Cet arbre là, il me le fout. Oula, oui non, il est trop pentu, il a trop... Ouf. J'ai intérêt à... Alors lui déjà on peut pas le couper, celui-là non plus. Ok, je commence à... Pas à manquer d'arbres, il me reste plein mais...
Voilà, là on est bon. Ça devient un peu plus long. Un peu plus long de trouver un arbre. On n'a pas déjà massacré une tronçonneuse. Ok, il nous faut encore des planches. C'est ça, il nous faut des planches. Eh ben écoute, pas de soucis mon pote. Des planches, je t'en trouver. Voilà, ça on va déposer. Couper un autre arbre en attendant. Parce que je pense qu'on aura peut-être besoin. Voilà, tout ça je ramasse. Je vais tout déposer ici. Voilà. Ok, bah pour toi tu me refais encore un. Parfait, ça me va. Allez, on enchaîne. Hop, hop, hop. On pose tout ça. On pose des planches. C'est bon, encore une, encore un truc de... Ça c'est quoi? C'est des rondins encore. Ça c'est des rondins. Ah, encore des planches ou pas? Ah, je sais pas si c'est des rondins ou des planches. On va essayer, tiens. Prendre des planches. Non, c'est des... C'est d'accord, c'est encore des planches. Ok. Par contre, ça va deux fois plus vite. Je peux en mettre une là, peut-être? Oui, je pourrais. Ok, il faut encore des planches. Bah écoute, déjà, beau boulot, hein. Je voulais te le dire, je voulais te féliciter. Beau boulot. Et surtout, il faut des planches. Alors, dépêche-toi, s'il te plaît. C'est un moyen. Voilà, parfait. On est à la moitié quasiment là les gars, on est à la moitié, on va y arriver, faut tenir. Bon, je sens vous commencez à désespérer, et je vous comprends, comme je vous comprends, imaginez-moi, hein, je comprends tout à fait de ce que vous pouvez vivre en ce moment même. Mais on va y arriver, d'accord? Ne vous découragez pas, on va y arriver. Moi j'ai foi en ma destinée. Quand je commence à dire ça généralement, c'est que c'est compliqué. Hein. Voilà, on en a 16, avec les 16 on va peut-être pouvoir finir même. Hop, 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 ça c'est fait. Toi et toi c'est bon. Hop, 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 voilà. 60% en avance, les gars, en avance. Maintenant, il nous faut quoi? C'est quoi? T'as encore des planches? Ok, beaucoup de planches. Puis là, j'imagine qu'il faut des longues. Hein. Il faut des longues planches. Heureusement qu'on a la technique du cheval bourré. Je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça, me demandez pas, il n'y a pas de raison. Ok, bon, on va faire que tu coupes, mon pote. Et bah, puisque... Ouais, pendant que tu coupes, moi, je vais... retourner chercher un arbre. Pour te rapporter plus de bois. Pas de raison qu'il y ait que toi qui bosse. Voilà. Du bois il m'en faut à gogo, donc autant en profiter. En fait c'est pas house builder, c'est déforestation compagnie quoi. C'est ça hein. C'est un jeu de simulation où vous déforestez une planète. Enfin une forêt. Et avec un peu de bol, si vous y arrivez bien, vous pourrez peut-être finir dans un igloo. Voilà, avec un peu de bol si tout va bien. Ok, ça je vais ramasser. On peut pas les ramasser. Ok, ça c'est trop petit, j'imagine. Et tout ça c'est tombé. Je vais voir si je peux pas me débrouiller un peu avec tout ça. Je pense qu'il y en a les trois quarts qui sont trop petits, mais. Même par là, il y en a plein là. Ok, c'est trop lourd. Trop court. Même là, c'est trop court. Tout est trop court là. Ok. Et à l'intérieur, il y en a pas qui sont un peu moins longues? Ouais, si, parfait, j'arrive à en mettre une quand même. Bah voilà, on y arrive. On y arrive finalement. Ouais, je gagne du temps comme ça, on va pas se mentir. Voilà, ok, bah on est bon. Par contre, j'en ai plein bloqués dans les arbres, dans le plafond. C'est quoi cette planche qui traîne? Oh bah, on a oublié de la retirer. Désolé, hein, on a oublié, ça arrive, hein, ce sont des choses qui arrivent, vous en faites pas. Même les pros oublient ça en général, hein, ça arrive tout à fait qu'ils oublient. Y a pas de souci. Ok, bon bah là clairement ça c'est trop petit. On va dégager ça. Par contre, ça peut-être moyen de la mettre quelque part. Voilà. Ça, on peut la mettre quelque part. Voilà, c'est ça que je voulais. Ok, des planches, des planches, des planches. Il m'en faut. Oh oui. Oh oui, j'ai plein de planches là. Ça me plaît bien ce que je vois là. Hop, 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 hop. On se dépêche. Hop. Voilà. Comme ça, on est bon. Alors tout ça, ça va tomber. Hein. Ouais, voilà. Parfait. On va récupérer. Et je pense qu'on a moyen de faire des trucs bien avec tout ça. Hein. Je pense qu'on a clairement moyen de continuer un peu dans notre lancée. Voilà. Oh, il y en a encore plein bloqués. Ok, bah écoutez, il y a du boulot là. Il y a du boulot, hein. Il y a du taf à mort. Hein. Ok, là on va continuer notre petite escapade trop court. Ok, trop court. Par contre, il y en a plein qui sont bloqués à étage. Hein. Ce serait bien qu'on puisse récupérer. Bon, tant pis. On dégage ça, on dégage ça. Oulala, par contre, j'en ai beaucoup.
Ok, bah on y retourne, hein. Bah même pas, j'ai pas besoin de couper. Toi, tu prends, tu viens là. Voilà, t'as plus qu'à. Je compte vraiment sur toi pour faire le maximum de. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore un point de compétence? Ça fait quoi, ça? Ça fait des, ouais, des découpes 100% plus, ouais, donc ça va découper à mort. Regardez la vitesse de la machine. Ok, c'est pas mal, on va faire un gros stock de bois ici. Un gros stock de bois, je vais récupérer ça. Attends qu'elle finisse. Toujours pas. Ah, j'ai pris du. J'ai encore du. Attends, c'est quoi ce bazar là? D'accord, le train de couper de nouveau. Ok, le train de couper de nouveau. Bon, bah, nous, tout ça, on va mettre en place, hein. Je pense que ça. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, le bois, ouh là, le bois il vole, ouh là, attends, tout ça c'est du pognon. Hein. Ok, là on est bon, je vais retourner finir la maisonnette, ça serait pas mal qu'on y arrive un petit peu, la maison de trappeur. Ok, tout ça on est bon. Il en manque une, je sais pas où, mais. Ok. Il me reste 14, où est-ce qu'on en est? Parce que là j'avoue que, fou, ça devient un peu long. Ok, là on est bon. Encore un peu. Encore un peu. Ouais, c'est bon, c'est validé. Ok, là vous coupez tout ça, encore avec des planches, très bien, je ramasse, hein. Ça me fait kiffer. Hop, surtout, vraiment n'hésitez pas les gars, vraiment je suis tout ouïe. Et ouvert à toute opportunité commerciale, donc voilà, n'hésitez pas, on est bon. La petite porte qui va bien, qui nous met bien même, oulala, là là, tout le bois là, regardez le bois qu'il y a là, regardez le bois qu'il y a, c'est pas possible. Ok, il nous manque encore une fenêtre j'imagine, hein. Par contre c'est stylé. Alors c'est stylé, je dis pas que j'aimerais bien vivre là-dedans, parce que non. Parce que là je pense pas que dans ces genres de régions t'as internet, t'as la fibre et tout ça. Mais pour des vacances d'hiver ça peut être sympa, un petit chalet comme ça en montagne avec de la neige et tout, ça peut être sympa pour Noël, tu vois, genre de truc. Ok, bon bah là clairement on va avoir besoin de plus de planches, ah bah parfait, les planches on a préparé. Je savais que je pouvais compter sur toi, je le savais. Tout ça je vais récupérer. Allez-y, voilà, coupez-moi tout ça. Tout ça je récupère. Hop, ça c'est fait. Encore un peu, hein, pas de raison. Voilà, du bois encore à fond. Ici. Et là. Et là aussi. Trop court. Ah, il faut une plus grande planche. On n'a que des planches de grande taille. Ok, bon bah écoute-toi. Hop, tu coupes. Fais-toi plaisir, mon pote. Fais-toi plaisir. Voilà, là on avait plus grand de. On peut pas faire plus hein, niveau taille. Hein. Alors, tu fais un effort. Ok, oh des rondins, maintenant il faut des rondins. Ok, ouais, bah tant pis, on va s'occuper des rondins. Pas moyen de. Ouh, si, y a moyen de prendre plein de petites chutes là et de faire des trucs sympas avec. Hein. Y a moyen de pas trop s'embêter. Pas avoir besoin de couper de nouveau du bois. Ah, peut-être, hein, peut-être que si. Je pense qu'on va avoir en fait finalement besoin, mais. On peut peut-être tirer un peu, mais je suis pas sûr que c'est vraiment une bonne idée. On va tester quand même. Dis-moi tout, trop court. Toi t'es trop court. Toi trop court aussi. Ok, en fait il m'en faudrait juste une de plus. Alors on va faire un truc tout bête, c'est que je vais... Alors déjà tout ça je vais tège. Je vais récupérer un rondin, j'ai pas le choix. Hein. Ça m'embête pour si peu, parce que vraiment c'est que dalle, mais tant pis. Des planches. On enchaîne les planches. Hop, 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 hop. Ouais, par contre, la maison a commencé à être bien, bien stylée. Regardez ça. Il nous faut plein de planches là. Il nous en faut même beaucoup. On va tout ramasser. Tout ce qui tombe également. Et bah, avec ça, normalement, on va être parfait. Voilà. Bah, vous savez quoi? Regardez. C'est fini quasiment. Oh, bah, on a fini. On a fini. Ouf. Bon, et bah, c'était un peu le bazar. Mais je vais rester ici parce que j'ai envie de. On va faire un brin de ménage pour pouvoir visiter notre maison. J'ai envie qu'on fasse une visite de notre maison, alors on va tout tège, on va faire un brin ménage, on va mettre ça là au bout. Bonne technique d'humain, faites du bordel, mais stockez tout dans un coin, si possible assez loin de votre maison, puis vous êtes tranquille. Hein. C'est un peu dur pour les autres animaux, tout ça, mais bon, hein, en abattre. On est humain après tous les humains, on en abattre de tout ça. Voilà, on y est. Ah, petit message écologique que je peux passer en même temps. Enfin, écologique pas tellement du coup, puisque je fais l'opposé, mais... Bref, tout ça je récupère, et tout ça on va tège. À l'autre bout, voilà, ici ça serait pas mal. Ce qui donne une maisonnette, tiens, ça regarde, on avait plus besoin. Hop là, allez, allez, sanglier, allez vous amuser avec ça. Hop, super cadeau. Tout ça, je ramasse. Et on va pouvoir tout dégager. Hop là, et comme d'habitude, je vais tout stocker de l'autre côté. Voilà, là on est bon. Et regardez la maison quand même, comment elle est. Bon, relativement jolie. Il y a encore quelques soucis avec.
Mais elle aurait pu être jolie. Elle aurait pu être jolie si j'avais pas oublié du bois dessus. Je vais prendre cet angle. Ouais, regardez, c'est stylé quand même. Une maison de trappeur, c'est quand même vachement stylé, hein. Eh bien écoutez, on va pas s'arrêter là pour cette vidéo qui sera, je pense, suffisamment longue. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour être sûr de ne pas louper la suite du jeu, parce que je compte faire tout le jeu, même si je sais qu'il va être de plus en plus long. Mais quand même, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça soutient la chaîne. Et puis surtout dans des tournages qui sont longs comme ça, c'est toujours positif de se faire soutenir un petit peu, parce que j'avoue que là, c'est des tournages qui sont assez longués, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est parti du truc. Je vais vous laisser la vidéo en nature, telle qu'elle. Donc je vais quand même faire quelques cuts pour que ce soit un peu sympa pour vous. Mais je vais laisser vraiment, parce que je veux pas que les gens achètent le jeu en se disant finalement ça prend 10 minutes, alors qu'en fait ça prend une heure. Donc je dois laisser la vidéo un peu longue, je suis désolé. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.